Est-ce que vous te connaît dans un culte d'adoration, lever main vle di en paquet de bagaille? Est-ce que vous te connaît ça? Est-ce que vous te connaît ou pas juste lever main pour lever main, mais l'on lever main ou un paquet de bagaille que vous vle di bon Dieu? Et c'est ça que fait pour un moment culte, nous avons posé cette question. Est-ce que c'est pas parce que nous pas connaît qui s'est levé main en vle dit qui fait ces meneurs de culture qui a forcé nous pour nous lever main. Dans cette vidéo ça nous parlons dans un culte d'adoration le lever main qui s'est levé main li vle dit. Moi c'est adorateur Bertrand Filmore, moi content pour moi gagner ou sous chaîne ça, moi content pour tomber sous cette vidéo ça. Et si vous tombez sur cette vidéo, ça, c'est pas un hasard, c'est pas un accident. Donc, il y a une raison bien spécifique qui fait que vous tombez sur cette vidéo, ça. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ça, non seulement m'a invité pour garder le commencement jusqu'à la fin, m'a encouragé à garder cette vidéo jusqu'à la fin, mais m'a encouragé tout, non seulement pour partager li l'entourage, mais si vous pouvez abonner avec chaîne ça, si vous pouvez abonner avec page ça. C'est moment pour capable tout faire ça. Et comme ça, on a toujours été en contact avec nous chaque petite vidéo que nous partageons. Donc on a une possibilité pour c'est un premier monde qui capable de joindre cette vidéo ça. Et travail que n'a fait c'est travail sur l'adoration et la louange pour que nous capable avancer ensemble dans le royaume de Dieu. Maintenant, qui ça levé main vle di? L'homme nan en culte, moi levé même. Qui ça ça t'avait dit? Bon, je prends un petit exemple bien simple. Donc, moi même prends un petit exemple ça. Le moi a fait formation avec équipe de louange. Bon, je prends même un petit exemple ça pour permettre que vous arriviez à comprendre. Si par exemple, y a un policier frisou. Si policier a frisou, qui première action a fait? Première action que a fait a déterminé qui message que vous voyez bay policier. Bon, bien entendu, m'ba policier non, m'ba policier, m'ba passer dans l'armée. Mais j'espère que n'a privé comprendre exemple que moi apprend ensemble avec nous. Donc les frisou yo dou les mains ou pas capable soit fouiller maintenant poche ou bien baronner baisser à terre pour ramasser son bagage. Donc première action à faire à lever deux mains. OK, voilà. Donc on va lever deux mains, on va lever deux mains. Donc leur lever deux mains, donc policier ou bien baronner soldat qui en face ou il va gagner raison pour le tirer sur. Puisque ou lever deux mains, lever deux mains, on t'avait dit qui ça? Lever deux mains, on t'avait dit que ou pas gagner des âmes sous ou pour combattre lui. Ou pas gagner des âmes sous ou pour combattre lui. Livre dit que ou livrer ou à lui-même. OK? Ou livrer ou à lui-même. Donc, le ça, policier, pas gagner aucune raison, soit pour t'attirer sous ou bien pour t'affronter l'autre bagaille quelconque. Parce que ou complètement à lui-même, parce que ou lever deux mains. Maintenant dans l'adoration, en transposé dans l'adoration, l'homme dans un moment d'adoration, moi levé le même, ça gagne une réalité, une signification spirituelle très très profonde. Donc, on t'a dit que le Saint-Esprit qui a travaillé dans le culte là, c'est le général du culte. Le Saint-Esprit, c'est le général du culte. Donc, quand le général Saint-Esprit lui saisit ou lever deux mains, général Saint-Esprit saisit ou lever deux mains, leur senti présence, bon Dieu, pendant qu'on a chanté, ou ressenti la présence de Dieu dans un niveau extraordinaire, ou lever deux mains. L'homme lever deux mains dans un culte, ça veut dire premièrement, ou dit à Dieu, me voici, je me livre à toi. Me voici, je me livre à toi.
C'est ta première bagaille qui ça t'a veut dire l'aime lever de même. L'aime lever de même, c'est parce que le meneur de culte là dit me lever de même. OK, c'est pas parce que le meneur de culte là dit me lever de même. Donc en passant, il y a un meneur de culte que moi toujours suivre pour une petite histoire. Donc meneur de culte c'est là l'elle dit mon yeux lever mais yo li contraint mon yeux pour mon yeux lever mais yo li efforcer mon yeux pour mon yeux lever mais yo et li fait mon yeux quitter mais yo en l'air pendant une quantité de temps. À chaque fois mon yeux t'a envie descendre mais yo soit mais yo fait yo mal etc. li motiver mon yeux davantage pour quitter mais yo en l'air. Mais bon dieu meneur de culte ça lui même mêle toujours en bas. Donc pas dit que j'aime faire connaître. OK, donc meneur de culte ça mêle toujours en bas alors que il est toujours motivé mounyo et contraint mounyo pour mounyo lever main yo. Et ceci pendant une quantité de temps il dit mounyo quitter main nous en l'air quitter main nous en l'air. Donc si vous même ou habitué ouais de meneur de culte qui comme ça qui a contraint mounyo pour quitter main yo en l'air donc ou capable et partager ces expériences pour avec nous dans commentaire dans vidéo ça. Donc moi dis ça pour moi juste dit que c'est pas meneur de culte là qui a forcé au lever main. Mais au même on a senti nécessité, on a senti poussière, on a senti que ou vraiment nécessité pour capable lever main. Deuxième signification ça t'avait dit l'aime lever même. Il t'avait dit que ouvre un message à Dieu pour dire bon Dieu moi pas faire rebelle avec vous. Moi pas rebeller contre tout. Moi complètement à vous même, moi pas rebeller contre tout. L'aime lever même dans un culte. Troisième bagaille, ça t'a veut dire leur lever main on a un culte ou dit Seigneur a ou mettre fait ça ou voulez avec moi. Ou met ve sa ou vle ak mwen. Ou leve deux mains ou di Seigneur a. Ou met fe sa ou vle avec moi. L'on a un culte ou leve deux mains. Ou di Seigneur a, mwen livre m. Fe sa ou vle ak mwen. M pa gen zam nan men pou m kombat tout. L'on di Seigneur pa gen zam nan mon pou kombat li. Ça veut dire ki ça? Ou déposer toute vieille âme orgueil, toute vieille âme hypocrisie, toute vieille âme rancune, toute vieille âme côté qu'a connaît, toute ça qu'on est qui était capable contre volonté bon Dieu, toute ça ou qu'on est qui était capable mettre un blocage, mettre un désunion en tout même avec Dieu. Ou dit Seigneur a ou déposer. Waouh, ou jeter et ou livrer complètement à lui-même. Pour le faire salver ensemble avec ou pour le connaître, pour le conduire ou pour le mener ou pour l'orienter ou pour l'utiliser ou pour le connaître. C'est un message comme ça que vous voyez à Seigneur alors lever demain. Ou dit Seigneur, m'a gagné zam nan même pour me combattre tout. C'est ça que la Bible a encouragé nous pour nous élever les mains pures. La Bible a encouragé nous pour nous élever les mains pures. Ma propre rapidement, le lever mais on a en culte, qui ça veut dire? Premièrement, le lever mais on a en culte, il veut dire, ou dit Seigneur, me voici, je me livre à toi. Deuxième bagaille, ça veut dire, le lever mais on a en culte, il veut dire, moi pas faire rebelle avec vous. Troisième bagaille, le lever mais on a en culte, il avait dit, ou dit Seigneur, ou mettre fait ça ou voulez avec moi. Quatrième bagaille, il veut dire moi pas gen zam nan même pour me combattre. M'pa gen zam nan même pour me combattre. C'est quatre bagaille ça yo que nous te voulons montrer que l'on lever mais on a un culte ça li vle di yon paquet bagaille. Donc sou nan un culte ou senti nécessité pour lever mais donc m'pa connais pas sans tout gêner pas qui t'ont emporté par la timidité quoi lever main pour exprimer ça on veut dire avec Seigneur et moi je voulais dire aussi meneur de culte là il capable toujours là comme yon
comme yon moun kap motive ou pou leve men, comme yon moun kap motive ou pou adore. Mais ou même personnellement, ou doit senti nécessité pou leve men. Ou même personnellement, ou doit senti ou doit recevoir message de la part du Saint-Esprit pou capable leve men. Et ou même tout comme meneur de culte, sou pas senti nécessité pou fè peuple a leve men, ou pa ka juste fè peuple a fè des mouvements et puis pendant 30 minutes men peuple a en l'aide. Si que le Saint-Esprit inspire pour lever main, ou pas même tenir compte de temps qui a passé. Vous comprenez? Ou pas même tenir compte de temps qui a passé, mais là ou même en tant que meneur de culte qui a contraint peuple là pour lever main et puis en pile fois même ou même mais tous les deux mains en bas. Tous les deux mains en bas. Donc ça y est, c'est des choses qui à considérer. Si vous sentez tes vidéos ça a été important, si vous sentez qu'elle est capable utile avec l'église Jésus-Christ, qui est utile avec des personnes, pas hésiter partager tes vidéos ça. Donc moi c'est Adorateur Bertin Dorfilmore, donc non disponible pour quelle que soit assemblée, quelle que soit l'église, quelle que soit congrégation qui t'a capable voulez inviter nous pour des formations, pour des conférences sur l'adoration et la louange. Donc n'a prend un plaisir pour nous capable répondre présent pour nous avancer avec travail Seigneur. Moi t'es content, moi t'es vraiment content. Ou ka remarqué ça, moi t'es vraiment content pour moi te présenter aux vidéos ça jeudi à. Espérer que vous apprendre des choses à partir de vidéo ça et qu'on ça n'a continuer grandir ensemble dans le travail de Dieu. Si vous pouvez abonner, pas oublier de ça non. Pas aller sans pas abonner. Ciao.